En France, 9 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme pauvres, 3,8 millions de personnes sont mal logées et l'on compte plus de 140 000 personnes sans domicile fixe. C'est 50% de plus qu'en 2001. Jamais les chiffres du mal logement n'ont été aussi alarmants. Plus de 8 millions de Français sont victimes de la crise du logement et plus de 3,5 millions sont très mal logés, voire sans domicile fixe. C'est une course contre le froid, un combat de chaque instant et l'errance durant plusieurs heures pour ces sans-abri. Il fait moins 5 degrés, un premier hiver à la rude pour Colette, 61 ans. Deux femmes, à gauche, Agnès Genest, 60 ans, son deuxième hiver dans son véhicule. À droite, Naïma Maïch, 36 ans, elle y vit depuis un mois et demi. Je mets ma couette. J'arrive pas à réchauffer mon corps. J'ai froid et... J'ai froid. Oh, le froid, ça... C'est anesthésie. Ouais, c'est anesthésie, en plus, ça... le cerveau, il gèle aussi en même temps, je crois. On s'adapte, on se réchauffe comme on peut. L'alcool, ça permet de tenir. Pas se mentir, c'est vrai que ça réchauffe. Une heure plus tard, les visages se ferment, le froid se fait mordant. Lavinia, Francesca et Amador ont repris le goût du jeu. Ils sont arrivés dans ce centre il y a moins d'un mois. Avant, ces trois frères et sœurs dormaient dans la rue. Ils en parlent peu, mais le souvenir reste encore présent dans leurs esprits. J'étais à Bastille. Dans la rue ? Oui. Et c'était comment ? C'était froid. Après avoir fortement baissé des années 70 au début des années 90, le nombre de personnes pauvres a explosé à partir des années 2000. Entre 2004 et 2013, 1 million de personnes supplémentaires se sont retrouvées pauvres dans notre pays.